super encourageant, super encourageant, parce que 1 854 000 utilisateurs de la Loire Vélo, alors qu'il y a 4 ans, on était en dessous du million, ça montre la dynamique qui est observée. C'est une dynamique qui tient compte du fait que l'itinéraire est particulièrement agréable, particulièrement bien indiqué, que des services se développent tout au long de la Loire à vélo, l'hébergement, les services pour la restauration, les services aussi pour recharger le vélo. On a plus de 20% qui sont des vélos à assistance électrique. Donc on a une très 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 belle dynamique, c'est intéressant. Ce sont des ressources pour les loueurs, des ressources pour les hébergeurs, des ressources pour les petits commerces qui sont absolument précieuses dans la période. Puis c'est une image de la région Centre-Val de Loire, être la première région pour l'attractivité vélo. C'est vraiment faire venir des touristes d'Île-de-France, des touristes de France et d'Europe vers notre région. Et à l'occasion du vélo, ce sont des plus de visiteurs pour les châteaux de la Loire, pour nos parcs, pour nos jardins, pour nos villages. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui identifie désormais très fortement Centre-Val de Loire comme une région accueillante, une région de culture et de nature, une région où on est bien, où on vit une expérience globale en matière de tourisme qui est particulièrement réconfortante.